Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que le Seigneur va me soutenir. Vous voyez que je me sens un peu lourd, j'ai des petites douleurs encore. Mais nous comptons sur le Seigneur pour toutes choses. Le service de Dieu doit être toujours accompli dans sa maison et pour sa gloire. Nous allons prendre nos Bibles dans l'huile de Daniel et nous allons lire. Daniel le chapitre 2, nous allons essayer de suivre toujours notre sujet. Alléluia. Daniel chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 19. Daniel chapitre 2, à partir du verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Et quand tu es là, puis le Seigneur, nous avons le droit de continuer. Notre Père, notre Seigneur, à toi seul la gloire et l'honneur. Toi qui parles et qui révèles toutes choses qui sont cachées. En ce soir, toi connaissant le cœur de tes enfants, ton désir est que notre Dieu et tes enfants sont enseignés et on veut notre Dieu de mieux t'adorer. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Ton serviteur par lequel tu passeras, nous savons comment ton foi, tout ce qui a utilisé, tu les as utilisés avec ta puissance. Ton esprit était sur eux, et tout ce qui sortait de leur bouche a été accompagné de ton Dieu et de ton autorité. Seigneur, ici, nous te recommandons ton serviteur. En fait, on se soit, tout ce qui sortira de sa bouche soit ainsi dit le Seigneur. Notre Dieu, nous qui recevons cette parole, permet de disposer notre cœur, notre entendement, qui nous permettra de copier de l'impact de les étudiants au mieux, mais d'être des hommes faits qui suivent dans ta parole pour l'obéir de notre Dieu. Conduis toutes choses, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à prier. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Donc, nous étions à notre sujet. Nous devons comprendre. Et tout ce qui existe aujourd'hui, ou bien tout ce que nous voyons, a déjà existé par le temps ancien. Il n'y a rien de nouveau. L'enfant de Dieu, quand il marche, il avance à un certain moment, il doit se dire que tout ce qui lui arrive a déjà existé auparavant. Il n'y a rien qui viendrait à nous surprendre. Parce que le Seigneur met tout au devant de nous. Ce qu'ont vécu autrefois nos prédécesseurs de la foi, ce sont les mêmes choses qui nous arrivent, vous voyez, dans des circonstances, c'est vrai, diverses. Mais il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Alors nous voyons cette histoire. Nous parlons de Daniel. Je voudrais certainement peut-être qu'on puisse aller aussi voir à peu près cette même histoire avec Joseph, le serviteur de Dieu. Nous verrons que particulièrement, vous voyez, pratiquement, ce sont les mêmes choses qui sont répétées, mais dans des circonstances différentes. Alors ici, comme nous le voyons, voilà que le roi Nebuchadnezzar, qui était un roi puissant, a eu un songe qui l'a troublé. Mais si le Seigneur permet cela, pourquoi le Seigneur le permet? Ça aussi, nous devons essayer aussi de comprendre. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'une chose arrive? Pourquoi une situation arrive? En Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu fait les choses,
c'est parce qu'il voudrait faire quelque chose pour ses enfants. Tout ce que le Seigneur entreprend, c'est pour le bien-être de ses enfants. Donc, comme nous le voyons, alors, le roi ayant eu le songe, étant troublé avec les menaces qui, vous voyez, qui étaient données, il a fallu qu'il y ait une personne qui puisse révéler le secret du roi. Mais qui est-ce qui est appelé à révéler le secret? Le roi, non seulement il a eu le songe, mais il ne comprenait pas ce qu'était le songe. En d'autres termes, le roi, quand même qu'il a vu le songe, il avait besoin de l'explication du songe. Mais qui allait lui donner l'explication du songe? Alors, pour pouvoir lui donner l'explication du songe, le roi voudrait s'assurer que celui-là qui soit capable de donner une vraie explication puisse aussi lui révéler le même songe qu'il a eu. Mais qui peut faire cela? Seul notre Dieu est capable de faire cela. Nous allons reprendre à partir du verset 19. Verset 19. Oui. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc, nous voyons ici une autre leçon. Bien-aimés, tous les événements vont faire par hasard. Même les prophètes, quand une situation se présente, c'est ce que je disais à un bien-aimé ce matin, nous devons pouvoir savoir apprécier les choses. Mais avant que nous puissions faire quoi que ce soit, nous avons le devoir de nous mettre en prière. Daniel ne s'est pas levé comme cela pour aller vers Dieu. Mais il a pris un temps dans la prière. Avec ses collaborateurs. Quelquefois, ce qui peut arriver, le chrétien, la première des choses à faire, c'est de parler au Seigneur. Alors, après prière, il s'est dit que le Seigneur est venu à Daniel. Alléluia! Or, comme nous l'avons lu la dernière fois dans le livre d'Amos, mais qui était Daniel? C'est un prophète. Amen. Alléluia. Un homme à qui la parole de Dieu vient. Un homme à qui le conseil de Dieu est donné. Frère, le frère va lire Amos 3. Amos 3, 7. Amos chapitre 3, verset 7. Quand le Seigneur l'Éternel ne vient rien. Verset 6. Oui. Sortons de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans les mouvements. Donc, une trompette, nous avons parlé de ces choses-là. Une trompette annonce toujours un événement. Une situation délicate, difficile. La situation qui s'est passée à Babylone. On peut dire aussi, c'est aussi la sonnerie d'une forme de trompette. Il y a une situation difficile qui se présente. Une situation délicate. Où la mort même menace tous les sages de Babylone. On fait quoi? Alléluia. Alors, quand il y a une situation difficile qui se présente, quelle doit être l'attitude des enfants de Dieu? Et il dit ici, sortons de la trompette dans une ville. Sans que le peuple ne soit dans le pouvoir, quand on commence à sonner de la trompette, le peuple commence à trembler parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Dans les anciens temps, la plupart des temps, la sonnerie de trompette marque la guerre entre deux nations. Donc, celles-là qui ont leur mari et qui ont leur grand-fils commencent à avoir peur. L'angoisse commence à remplir le peuple. Vous voyez, le peuple commence à être dans une situation difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre qui se prépare. Mais au niveau du Seigneur, il y a plusieurs types de sonneries de trompettes. Et on a parlé de ces choses-là. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Arrive-t-il un malheur dans une ville? Oui. Sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc, voici ce que le Seigneur nous dit. Même quand un malheur arrive dans une ville, c'est Dieu qui est derrière cela. Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur, l'Éternel, la nation, le Père? C'est lui qui permet toutes choses. Dans ce monde-là,
Rien ne peut arriver si le Seigneur le permet. Alors il y a deux possibilités. Soit c'est la volonté parfaite de Dieu, ou c'est la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, le Seigneur peut laisser Satan faire ce qu'il veut. Point. Et puis après, alléluia, arrêter sa démence. La volonté parfaite, c'est que le Seigneur vient et soutient sa parole pour qu'elle s'accomplisse parfaitement dans la vie de ses enfants. Alors il y a deux manières de faire. Mais quelquefois, ce qui arrive, c'est parce que le Seigneur est derrière que cela arrive. Donc ce qui s'est passé à Babylone, le Seigneur y était derrière. Le Seigneur a voulu montrer quelque chose pour ceux-là de leur temps et puis pour nous qui allons être à venir plus tard. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce que le roi Nebuchadnezzar a vu, aujourd'hui nous concerne. Alléluia. Concerne les nations, concerne bien Israël. Alors c'est pour nous aussi que le Seigneur a fait ces choses-là. Oui, frère, nous continuons. Verset 16. Quand le Seigneur, l'Éternel, le permit, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, celui-là qui est notre maître à tous, celui-là qui est au-dessus de tout le monde, lui qui est éternel, qui n'a point de commencement de vie, ni fait de vie, qui sait autre chose, la Bible dit qu'il ne fait rien sans avoir utilisé un homme qu'on appelle le prophète ou bien les prophètes. Alléluia. Alors c'est un homme que Dieu choisit. Dieu ne le choisit pas pour que tu l'aimes, mais pour que tu considères ce qui sortira de lui. Alléluia. L'homme aime aimer avant réellement d'approuver. Quand je me sens bien avec quelqu'un, alors c'est ainsi que tout ce qu'il dit là va m'intéresser. Mais quand je ne me sens pas bien avec lui ou bien quand je ne l'aime pas trop, ce qu'il dit, je ne prête même pas attention même si c'est la vérité. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit de prêter attention à tout le monde. Amen. C'est pourquoi le caractère que Dieu nous demande, c'est d'avoir un esprit humble. Amen. Quand ton esprit est humble, tu es disposé à recevoir tout ce qui arrive devant toi. Amen. À chercher à appréhender la chose. Est-ce que cela est vrai ou bien cela n'est pas vrai? Est-ce que cela réellement vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu? Mais on ne regarde pas le visage de l'homme pour savoir s'il est bon ou bien s'il est gentil ou bien s'il est mignon pour savoir si ce qu'il dit vient de Dieu ou pas. L'enfant de Dieu doit pouvoir accepter tout le monde et recevoir tout le monde. Alléluia. Donc Dieu ici, il prend soin de ses serviteurs. Il les reçoit, il les appelle à lui et il leur donne son conseil, sa parole, son message pour ceux-là qui sont disposés à lui. Parce que c'est vers les hommes qu'il envoie ces hommes-là. Et Daniel était une de ces personnes. Des personnes à qui Dieu révèle des secrets. Alléluia. Ou bien son secret. N'est-ce pas? Alors le secret qui était caché du roi, qui était dans le mystère, Dieu a pris cela et a révélé cela à Daniel. Mais regardez le bonheur de Daniel, la joie de Daniel. Daniel ne se donne pas une autre opinion. Il ne se dit pas non, vraiment je suis un serviteur qualifié de Dieu. Non, vraiment, le Seigneur parle pas moi. Oui, c'est moi aussi Daniel. Il n'a pas ce temps. Mais il s'est recueilli dans l'humilité. Il est rentré dans l'abaissement et dans la glorification du Seigneur, dans l'acclamation. Il a commencé par élever le Seigneur parce que le Seigneur a usé de grâce envers lui et envers tout le peuple qui était à Babylone. Quand un serviteur de Dieu vient et que Dieu parle au travers de lui, il ne s'en orgueille pas. Au contraire, il bénit le Seigneur parce que sous son couvert, la vérité est proclamée, les hommes sont délivrés, les hommes reçoivent le conseil de Dieu, les hommes marchent dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui fait sa joie. Alléluia. Oui, bien aimé, nous retournons dans Daniel. Le chapitre 2. Daniel chapitre 2, à partir du 19. Oui. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc il y a un seul Dieu des cieux. Quand le secret lui a été révélé, Daniel a commencé à bénir Dieu. Seigneur, moi là je ne suis pas digne. Je ne suis pas mieux que les autres. Je ne suis pas un homme exceptionnel. Je suis seulement ton pauvre serviteur. À qui quand tu veux voir réellement de me révéler ton secret. Quand un serviteur de Dieu marche davantage dans l'humiliation, c'est ainsi que le Seigneur, chaque fois, le visite et parle, lui parle. Amen. L'orgueil n'est point dans le service. Amen. Quel que soit le degré de service, l'orgueil n'est point dans le service.
Et puis après tout, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est-à-dire que nous venons et puis nous accomplissons ce que Dieu nous a demandé d'accomplir et puis c'est tout. On n'a pas à taper la poitrine ou bien à élever la tête sur quoi que ce soit. C'est notre devoir que nous accomplissons au devant du grand Dieu qui nous a sauvés, qui nous a rachetés par son temps. Et puis c'est tout. C'est pourquoi nous sommes des serviteurs inutiles. Au service de celui-là qui emploie l'instrument comme bon lui semble. Et quand ça se passe bien, quand un frère est délivré au travers de nos messages, quand un frère se porte bien au travers de la parole, nous bénissons Dieu pour cela. Parce que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Oui, frère, nous continuons. Merci, frère. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Donc, et il a béni, il dit qu'ils sont bénis d'éternité en éternité. C'est-à-dire que sa bénédiction là ne finira jamais. Parce que l'éternité n'a point de commencement. Elle n'aura point de fin. Donc si tu veux ou tu ne veux pas, Dieu sera béni jusqu'à ce que. Amen. Et lui, il veut savoir la bénédiction de Dieu. Sa petite voix vous dit, Seigneur, ta bénédiction là est réelle. Que cela encore puisse davantage s'intensifier parce que moi je veux ma petite voix à cela. Que d'éternité à l'éternité, tu sois béni. C'est un symbole de reconnaissance. L'enfant de Dieu doit être reconnaissant. Oui, frère. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc c'est lui qui change. Hier c'était la menace. Aujourd'hui c'était le danger. Et puis demain, tout s'est écoulé. Le danger et la menace ont disparu. Le temps d'hier n'est plus le temps d'aujourd'hui. Le danger qui nous guettait a été transformé maintenant en bonheur. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Mais qui peut faire cela? Seul Dieu. Amen. Alléluia. Oui, frère. Qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, c'est lui qui renverse et qui établit les rois. Il est au-dessus de tous les rois. Amen. C'est pourquoi on l'appelle le prince de la paix. Alléluia. Mais un bon roi, c'est celui-là qui travaille pour le bien-être et la paix de son peuple. C'est ça le royaume. Quand le royaume est paisible, il prospère. Quand le royaume est en guerre, il s'appauvrit. Un bon roi, c'est celui-là qui sait rétablir la paix. Amen. Pourquoi Salomon a été un grand roi? Parce que sous son règne, il a eu la paix du début jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Salomon a été un grand roi. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il nous a donné un ministère de réconciliation? Mais à quel moment il y a réconciliation? Aujourd'hui, les hommes ne comprennent pas. Quand on vient, on dit, non, il faudrait qu'on se réconcilie. Le chrétien n'a pas de problème. Ce sont les païens qui ont des problèmes. Le chrétien, il a en lui déjà le ministère de la réconciliation. Le chrétien, c'est un faiseur de paix. Là où il y a la guerre, le chrétien, lui, il sème la paix. Là où le s'attend pas à lui, il va pour se réconcilier. Là où il y a deux personnes qui ne s'attendent pas, lui, il va pour réconcilier ces deux personnes. Amen. C'est un ministère qui nous est propre à tous. Le ministère de la réconciliation. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est lui qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages. On ne parle pas de sages de ce monde-là, hein. Or, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est le commencement de la connaissance, la science de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu apprends, Dieu dit que tu deviens sage. À ceux-là qui apprennent la connaissance, la sagesse lui est donnée. Donc, ceux-là qui viennent à la maison, il me donne davantage de sagesse au travers de la connaissance qu'il leur communique. Alléluia! Or, l'intelligence, c'est quoi? C'est s'éloigner du mal. Alors, ceux-là qui viennent dans sa maison régulièrement, Dieu les détache de ce qui est mauvais, de tout ce qui est mauvais. Amen. Et il les rapproche davantage du bien. Amen. Alors à ceux-là, qui déjà viennent dans la maison de Dieu, Dieu leur donne l'intelligence et il a agrandi leur intelligence. Alors il donne l'intelligence aux intelligents, n'est-ce pas? Amen. Et il donne la sagesse à celui-là qui est sage. Amen. Ça veut dire que celui-là qui est régulé dans la maison de Dieu,
il devient de plus en plus sage et de plus en plus intelligent. Amen. Oui, frère, nous continuons. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Oui. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Oui. Et la lumière demeure avec lui. Donc, ce qui est profond. En d'autres termes, vous voyez, ce qui est mystérieux, ce qui est profond et caché, Dieu les révèle. Il les dévoile. C'est ce qu'on appelle le secret. Parce que c'est caché. Alléluia. Mais pourquoi se cacher? On ne peut pas voir. À l'autre terme, on ne peut comprendre. Cela est enfoui dans les ténèbres. Quand vous rentrez dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Est-ce que vous savez où vous battez? Tu ne sais même pas où tu te trouves, non seulement. Tu ne sais pas dans quelle direction tu t'en vas. Et tu ne sais même pas réellement quel est l'obstacle qui se trouve au-devant de toi. Parce que c'est ténébreux, c'est mystérieux. Et Dieu révèle ce qui est caché. Mais nous sommes nombreux. Alléluia. Amen. Le salut de Dieu a un chemin unique. Il n'y a pas plus d'un chemin. Or, l'homme déjà, il est tortueux de par sa naissance. Si Dieu veut se révéler à X, à Y, à B et à Z, il aura une confusion. Alors Dieu se choisit un homme et puis il dit, toi, je crée toutes les dispositions en toi et je mets en toi la confiance, la parole. Va et conduis le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est caché appartient à Dieu. Amen. Et quand il les révèle, cela appartient à qui? À nous et à nos enfants. Amen. Deutéronome 29-29. Le frère va dire cela rapidement. Deutéronome 29, verset 22. Les choses cachées sont à l'éternel. Les choses cachées sont à l'éternel. Alléluia. Amen. Ce qui est mystérieux appartient à Dieu, à notre Seigneur. Ce qui est caché, ce qui est dans les ténèbres, ce qu'on ne peut pas voir appartient à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il amène cela pour que chacun d'entre nous voie cela. Il dévoile cela. Il prend cela. Il met ça dans les autres et puis il dit, va. Sois la lumière de tout ce monde-là. Un prophète est la lumière de son temps. Amen. Alléluia. Amen. C'est la lampe de son temps. Amen. Nous aurons l'occasion de revoir encore ces choses-là. C'est pourquoi quand la lampe a été prise et placée sur le chandelier, c'est pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Amen. La lampe qui a été prise, a été pris par qui, a été reçu par qui? Le prophète, le messager. Et il a placé cela sur le chandelier pour éclairer qui? Les enfants de Dieu. Amen. Mais les enfants de Dieu, où on les trouve? Dans la maison de Dieu. Amen. Et la maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'église de Dieu. N'est-ce pas? Amen. C'est ce que nous dit la Bible. Hein? Amen. Dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Ah, il est bon de recevoir le message. Le prophète et son message. Regardez ce que dit. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Oui. Ainsi donc. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Non, ils ne sont pas les pas des étrangers. Alléluia. Il est au conseil de Dieu. Il sait ce que Dieu est en train de faire pour son temps. Alléluia, il n'est pas floué. Il sait où il va. Il sait ce qui se passe dans ce temps. Pourquoi? Parce qu'il est de la maison. Parce qu'il est de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Ceux-là qui sont du dehors, ce sont ceux-là qui sont dans le monde. Qui vivent sur le monde et son système. Qui marchent selon le monde. Alléluia. Amen. Qui aident à se donner le temps dans le monde. Mais ceux-là qui sont dans la maison se retrouvent à chaque rassemblement, vous voyez, donné par le Seigneur.
conseil de Dieu. Mais la trompette sonne. Où sont les enfants de Dieu? Ils viendront et ils se rassembleront. Alléluia. Le prépare. Le prépare au rythme de la parole de Dieu. Parce qu'ils attendent le son de la trompette. Le Seigneur appelle à un rassemblement pour leur donner son conseil. Parce qu'ils sont des gens de la maison et non des gens du dehors. Oui, frère, nous continuons. Mais vous êtes des concitoyens des saints. Alors, nous sommes des concitoyens. Mon frère, tu es un citoyen. Ma soeur, tu es une citoyenne. Moi, je suis un citoyen. Et comme nous sommes plusieurs citoyens, nous sommes des concitoyens. Amen. Mais bien sûr, des saints. Amen. Parce que Dieu s'adresse aux saints. Amen. C'est pourquoi ils sont gens de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des concitoyens des saints. Oui, frère. Mais vous êtes des concitoyens des saints. Oui. Gens de la maison de Dieu. Alors, nous sommes de la maison de Dieu. Vous voyez? Ainsi, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Ceux-là qui demeurent dans la maison de Dieu. Amen. Et les choses de cassé leur appartiennent, n'est-ce pas? Amen. Nous allons le prendre. Deutéronome. Deutéronome 29, 29. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Oui. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Donc, à perpétuité, oui. Afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Alors, les choses cachées sont à l'Éternel. Et lorsque le Seigneur les dévoile par le moyen du prophète, cela appartient à nous et à nos enfants. À jamais. Alléluia. Mais fait que quoi? Nous mettons en pratique les paroles de la loi, la parole de Dieu. Quand Dieu fait cela, c'est pour amener toujours les enfants de Dieu dans la parole. Alléluia. Quand on reçoit un message, c'est dans le but de ramener les enfants de Dieu à la véritable doctrine de la parole de Dieu. C'est amener les enfants de Dieu à vivre comme nos prédécesseurs, les apôtres ont vécu. C'est ça un message. Un réveil, c'est cela. Le réveil nous dépouille de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Alléluia. Nous retournons dans Daniel. Donc, nous étions au verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, la lumière demeure avec notre Dieu. Amen. Je pense que lui-même, il est la lumière. Amen. Non seulement il est la lumière, mais la lumière demeure avec lui. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas comprendre. Le fait que la lumière demeure avec lui, là, ça veut dire que Dieu lui-même est lumière. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était auprès de Dieu. Cette parole-là demeurait avec Dieu. Et cette parole-là était Dieu. Amen. Alléluia. Mais quand on dit la parole était avec Dieu, est-ce que ça fait réellement de Dieu la parole de deux entités différentes? Non. Moi, je suis en train de parler, mais c'est ma parole qui me fait. On ne veut pas dissocier mon langage, ma parole de moi. Ma parole fait ma personne. Si j'ai dit, bien aimé frère Donald, demain à telle heure, je vais te rencontrer. Et puis, demain à l'heure, là, je viens, Donald se pointe et puis me retrouve plus. Alors, de là, mon père me dit, pasteur, mais tu as dit qu'à telle heure, tu allais me rencontrer, non? Je dis, oui, Donald, c'est vrai. Que c'est, je te dis, c'est pas moi, mais c'est ma parole qui t'a parlé. Donc là, c'est ma parole, je suis coupable, donc là, je ne suis pas coupable. Mais Donald va se poser la question, mais qu'est-ce qui arrive au pasteur? Mais la parole fait le pasteur. Amen. C'est par la parole qu'on reconnaît qui est le pasteur. S'il dit vrai ou faux. S'il est un homme de parole ou pas. C'est la parole qui fait Dieu. Amen. C'est la parole qui confirme Dieu. Parce que quand Dieu parle, il réagit. Quand Dieu parle, il confirme. Amen. Quand Dieu parle, il accomplit. Alors la parole est avec Dieu parce que ce qu'il dit se réalise. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle demeurait avec Dieu. Et Dieu donnait lui-même sa parole. Dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 16, le verset 6, nous voyons encore que Dieu lui-même est la lumière. N'est-ce pas? Amen. Nous allons prendre cela.
1 Timothée 6. Puisque la lumière est avec lui, auprès de lui. 1 Timothée 6. Quel est ça? Vous pouvez commencer au verset 13? 1 Timothée, chapitre 6, avant le verset 13. Oui. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux de ceux le souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, la recommandation de la tête de la Timothée est une recommandation importante. Il était serviteur de Dieu, mais il était un saint. Et cette recommandation, c'est qu'il garde le commandement. L'amour. Alléluia. Parce que le commandement, c'est l'amour. C'est la doctrine. Alléluia. Alors, garder l'amour, c'est vivre toute la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. De garder le commandement. Et l'objectif d'atteindre, c'est qu'il vive sans tâche ni reproche. N'est-ce pas? Amen. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul le souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais c'est le même Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Le verset 16. Le verset 16. Qui seul? Qui seul possède l'immortalité. Mais lui seul est immortel. Alléluia. Amen. Et comme lui est immortel, il a le pouvoir de nous immortaliser aussi. Amen. Mais la meilleure manière de nous immortaliser, il n'y a pas d'autre secret que de recevoir la parole de Dieu et que cette parole de Dieu soit gardée en toi et que tu marches selon elle. C'est en ce moment-là que tu seras aussi immortalisé. Amen. Oui, frère. Qui seul possède l'immortalité. Oui. Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternellement. Amen. Donc, dans le livre de Daniel, Daniel nous avait savoir que la lumière demeure auprès de lui. Et ici maintenant, on dit qu'il habite dans une lumière qui n'est inaccessible à personne. Personne ne peut atteindre cette lumière, ni ne peut regarder cette lumière. Cette lumière au-delà du soleil. Amen. Alléluia. Qui seul possède l'immortalité, qui habite dans une lumière inaccessible. Une lumière que personne ne peut atteindre. Dieu habite dans cette lumière. Amen. Donc quand vous parlez de Dieu, tout autour de lui, c'est une lumière brillante. Alléluia. Une forte lumière éclatante. C'est pourquoi quand il se révèle sous le peuple tard à certains de ses serviteurs, il se révèle sous la forme de la lumière, avec Saul de Tarse, qui est revenu, le frère, l'apôtre Paul qui parle ici. C'est dans une lumière que le Seigneur Jésus-Christ s'est dévoilé à lui. Alléluia. Amen. Et il a été aveuglé. C'est dans cette même forme de lumière, vous voyez, en miniature, qui a conduit Israël. Amen. De la colonne, alléluia, de feu et de lumière, ainsi de suite. Dieu est lumière. Dans le livre de 1 Jean, alléluia. Donc ici, on voit qu'il habite dans la lumière. Dans Daniel, la lumière est avec lui, est auprès de lui, n'est-ce pas? Là, il habite dans la lumière. Et dans le livre de 1 Jean, il est lui-même la lumière. Amen. Alléluia. Amen. La lumière est avec auprès de Dieu. La lumière dans laquelle Dieu habite. Et Dieu lui-même qui est lui-même cette lumière. 1 Jean, le chapitre 1, le verset 6. On va lire là. 1 Jean chapitre 1, verset 6. On peut commencer. Verset 5. Oui, au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Amen. Donc la lumière, la nouvelle, la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu lui-même est lumière. Alléluia. Amen. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il est lumière.
la lumière. Donc quand on parle de la lumière, la révélation, alléluia, quand on dit que la lumière a été, vous voyez comment on appelle ça, le mystère a été dévoilé, c'est que la lumière a été faite au travers du mystère. Dieu lui-même s'est révélé. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu manifesté de la chair, c'est pourquoi on l'appelle la lumière du monde. Jésus-Christ en tant que lumière du monde, c'est Dieu lui-même en tant que lumière pour éclairer tout homme. Et Jésus-Christ étant la lumière, nous a révélé que la parole de Dieu est elle-même la lumière. Alléluia. Dieu est la lumière, la parole est la lumière, Jésus est la lumière, Jésus est Dieu et Jésus est sa parole. Alléluia. Donc Daniel, quand il parle de cela, il révélait même la personne de Dieu. La lumière était avec lui, était auprès de lui. Parce que Dieu lui-même, il est dans la lumière. C'est pourquoi, quand les mystères sont dévoilés, c'est que Dieu nous fait la lumière au travers de sa parole. Il nous éclaire, afin que nous puissions avoir une visibilité, une compréhension claire sur ce qui est caché et ténébreux. Mais c'est par le prophète que Dieu fait cela. C'est pourquoi, comme lui-même les lumières, et que dans les ténèbres, tout ce qui est caché, lui, il sait ce qui s'y trouve. Alors, au milieu des ténèbres, dans la nuit noire, il a établi des étoiles, parmi lesquelles se trouvent les sept. Or, une étoile est une, alléluia, est une petite lumière, est un astre qui produit de la lumière, qui éclaire le noir, la nuit, alléluia. Donc, pour dire au milieu des ténèbres, Dieu a suscité, alléluia, des sentinelles, des prophètes, des étoiles pour nous transmettre la lumière de Dieu, le conseil du Seigneur. Alléluia. Nous retournons, bien aimé, dans Daniel. Daniel chapitre 2. Oui. À partir du verset 22. Oui. Il révèle ce qui est profond et caché. Oui. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Oui. Verset 23. Dieu du Père. Dieu du Père d'Abraham. Dieu d'Isaac. Alléluia. Dieu de Jacob et d'Israël. Ce sont les dieux de son père, de ses pères. Bien aimé. Il n'adorait pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qui s'est confirmé, qui s'est montré, qui s'est révélé au patriarche, c'est le Dieu que Daniel adorait. Et c'est le Dieu, même Dieu qu'aujourd'hui nous adorons. Oui, frère. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alors, Dieu leur a révélé le secret du roi. Le roi, quand il était dans son sommeil, entre lui et Dieu lui seul, ce qui se passait. Même Satan, Dieu n'a même pas laissé la chance à Satan même de savoir cela. Alléluia. Amen. Mais si le Satan là a révélé ça au demain, hein? Satan pouvait le savoir. Hein? Mais comme c'était l'action de Dieu lui-même, Dieu a verrouillé cela. Il n'a pas laissé accès au diable. Parce que le Seigneur a voulu faire quelque chose pour son peuple. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur a montré cela au roi. Et il a verrouillé le secret. Parce que la révélation de ce qu'il a montré au roi lui appartenait lui seul. Alléluia. Amen. Alors, savoir ce qui se passe, ce que le roi a vu, c'est pour aussi savoir lui donner l'explication. Et Dieu avait prédisposé ces choses-là. Rien n'est au hasard. Alléluia. Amen. La prédestination de Dieu, on ne peut pas comprendre. Quand Dieu fait une chose, ce n'est pas prédestination. Il prévoit cela. Quand il a révélé cela à Nebuchadnezzar, il savait qu'il y a un Daniel qui allait susciter. Et qu'au travers de Daniel, des empires vont être suscités plus tard. Alléluia. Que le Messie va être retranché. Et que la grâce va être ouverte aux nations. Le dernier empire va prendre forme. Et va aller jusqu'à l'établissement du millénaire. Le Seigneur savait cela. Donc,
Quand il a montré cela à Nebuchadnezzar, c'était le commencement d'un processus. Et dans ce processus, tous les prédestinés s'y trouvaient. Alléluia. Ce n'est pas l'objet d'un hasard. C'était le dessein de Dieu. Enfin, réellement, de mettre au courant tous les enfants de Dieu de ce qui va arriver. Oh, bien-aimé. Oui, frère, tu peux continuer un peu. Le verset 24. Oui. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Achoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Verset 25. Achoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Est-ce que tu es capable? C'est prétentieux. C'est orgueilleux. Qui est capable? Même quand tu marches bien, c'est pas toi qui marches. Amen. C'est Christ qui marche en toi. Amen. Quand tu as une disposition, une vertu, ce n'est pas toi. C'est Christ qui le fait en toi. L'enfant de Dieu, il n'est capable de rien. Mais il est capable en Christ. Amen. Parce que c'est Christ qui fait toutes choses pour lui. Et depuis belle lunette, cette humilité-là remplit les enfants de Dieu. La crainte, ça part d'eux. Ils savent qu'en eux-mêmes, ils ne sont rien sans leur Dieu. Ils dépendent entièrement de lui. Oui, chez nous là, quand tu es dans la maison de Dieu, c'est une entière dépendance. Oui, tu n'es pas maître de toi, parce que tu ne peux pas, tu peux rien faire de toi-même. Tu dépends de lui. S'il te lâche, c'est fini pour toi. Oui. Quand tu glisses, c'est qu'il t'a lâché un peu. Quand tu reviens et que tu marches tout droitement, c'est qu'il est avec toi. C'est pourquoi, comme tu sais que tu ne peux rien faire sans lui, pourquoi à chaque instant que tu marches du milieu du bas, sois avec moi, aie pitié de moi et soutiens-moi. C'est pourquoi il nous a demandé de ne pas nous lasser de prier. Quand en tout temps et en tout lieu, nous puissions être en prière. N'est-ce pas? Amen. Mais cette prière-là, c'est quoi? Seigneur, ta grâce seulement me suffit. Amen. Ne m'abandonne pas et ne me lâche pas. Et Dieu ne te lâchera jamais. Amen. Le fumeur, comme il faut que le ciel le dit, il est dépendant de sa cigarette. Le drogué, lui, il est dépendant de sa drogue. Le joueur de poker, parce que aussi ça c'est une dépendance. Hein? Parce que c'est tellement doux quand on joue, que vous voyez chaque matin il veut s'asseoir alors que c'est un gros du monde qui le conduit là-bas. Il est dépendant de ça. Mais nous, nous sommes dépendants de quoi? De la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas s'enlacer. Quand ça nous manque, il y a quelque chose de vide en nous. On est obligé réellement d'avoir cela et puis de continuer. Comme le fumeur, quand il se lève le matin avant d'aller aux toilettes, il s'en va payer sa deux baguettes de cigarettes. Oui, j'ai un cousin qui faisait ça. Avant de dormir, il va à la boutique chaque jour. C'est comme une loi pour lui. Et il n'enfreint jamais cette loi. Il paye ses deux cigarettes. Il y a une matin pour être allé aux toilettes au WC. Et puis il y a une maintenant quand il a fini de prendre le petit déjeuner. Il est dépendant. Nous aussi, nous sommes dépendants. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre deux cigarettes. Matin bonheur, on prend notre Bible, on lit. Et puis le soir avant de dormir, on prend aussi, on lit. N'est-ce pas? On est entièrement dépendant de cela. C'est pourquoi nous sommes obligés de venir dans la maison de Dieu pour nous recharger, pour recevoir son conseil et repartir. On ne peut rien faire sans lui. Amen. L'orgueil n'est point dans le chrétien. C'est l'humilité qui anime le chrétien. Amen. Si nous connaissons cela,
nous allons être élevés. Amen. Parce que celui-là qui s'abaisse sera élevé. L'humilité a toujours précédé la gloire. Amen. Et le Seigneur ne ment pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons arrêter là aujourd'hui et nous allons prier aussi.